aujourd'hui, il y a un débat. Et le tribunal population, le tribunal populaire, hein, c'est sous les tons. C'est en fonction de ça. Nous-mêmes, en notre qualité d'avocat, nous estimons c'est sous les tons, vrai tribunal. Là. Si la population a besoin de justice, il hein, faut qu'il descende sous les tons. Et bien, c'est ça que fait nous-mêmes, nous descendons sous les tons pour accompagner la population. Côté journée aujourd'hui, le régime ça, il établit dictature. Côté définitable, criminalité. Kidnapping, vol, pillage, assassinat. Ils ont assassiné bâtonnier, ils ont assassiné étudiant en cette université, ils ont assassiné élève, ils ont assassiné avocat. Je dis à nous qu'il y a plusieurs avocats qui kidnappent, qui n'ont pas bandits. Oui, nous reconnaissons bandits, c'est des victimes de Mounzaïo. C'est eux-mêmes qui armés bandits, c'est eux-mêmes qui baillent aux armes pour être capables de matraquer, pour être capables d'assassiner le petit peuple. Mais nous disons bandits. Avant même de agir, il faut que vous regardiez ce qui nous a agi. Il faut que vous retourniez les âmes contre les gens qui sont aux âmes. Ce n'est pas les gens qui semblent avec vous, qui sont dans la population, qui vivent même côté avec vous, pour matraquer, pour assassiner, pour kidnapper. Eh bien, c'est sur base ça, nous disons population, il n'y a pas l'autre moyen pour que nous fassions légitime défense. C'est sous béton pour le descendre. Chaque jour, il faut que nous renforçions davantage. Nous avons lancé un appel avec classe ou sinon secteur qui dit lycée, majorité silencieuse. Là. Nous avons demandé majorité silencieuse. Ça. Combien de monde attendent pour assassiner encore? Combien de bâtonniers pour tomber encore? Combien d'étudiants pour tomber encore? Combien de juges à la cour de cassation pour arrêter de manière illégale et arbitraire? Combien de monde en dans le quartier populaire pour faire crime contre l'humanité contre vous? Pour faire crime génocidaire contre vous? Est-ce que ces pays en attendent de disparaître pour nous sortir dans le silence nous-mêmes, les gens qui rêvent tête nous, majorité silencieuse dans le pays. Je dis, nous croyons, c'est une responsabilité citoyenne. Chaque individu, chaque citoyen doit prendre responsabilité en main pour camper contre la dictature. Et camper contre la dictature, c'est déchouquer Jovenel Moïse avec le régime PHTK qui tourne en censure, cap Thank you.
Yeah.